Jean-Luc Martinez, merci beaucoup pour votre hospitalité. Nous sommes vraiment enchantés d'être au Louvre après 13 ans d'avoir fait ce World Tour. Now we're, nous sommes de nouveau à Paris. Donc c'est un privilège. Merci à vous d'avoir choisi la France, et Paris, je vous et en le prie, Louvre. Je vous en prie. C'est, déjà, c'était l'initiative de d'Anne-Laure Béatrix qui nous a proposé ce projet. Et quand vous avez dit oui tout de suite, c'était vraiment très encourageant et tout le monde est venu nombreux. Jean-Luc Martinez, vous êtes arrivé au Louvre maintenant depuis 2013. Et vous connaissez la maison très bien, puisque vous êtes arrivé en 1997. Alors, votre formation est intéressante, parce que vous êtes d'abord un archéologue, vous êtes professeur d'histoire et de géographie, c'était Anne-Laure, mais vous êtes professeur d'histoire aussi. Le même cursus, les mêmes études. Donc, c'est intéressant de voir que vous êtes vraiment... L'éducation, c'est un sujet important pour vous. En même temps, aujourd'hui, donc vous êtes arrivé en 1997 et vous avez vu le changement au Louvre, tout ce qui s'est passé. Alors, vous êtes archéologue de formation, je l'ai dit. Maintenant, la chose très importante, c'est que vous accueillez 9 millions de visiteurs chaque année. Donc, 70% sont étrangers. Vous parlez cette langue, peut-être pour parler à tous ces visiteurs étrangers. Donc, le choix de l'international est important. Comment l'éducation, c'est vraiment une chose cruciale, comment vous avez vu l'éducation changer sur ces 10 dernières années, au moins depuis que vous êtes président du Louvre, et quel est le rôle de l'éducation au Louvre et comment vous portez cette mission sociale au Louvre? Donc pour répondre à cette question, bien entendu, vous avez raison, mais j'inverserai par rapport à ma formation. Peut-être que j'ai été choisi aussi parce que je venais du monde de l'éducation, parce que j'avais commencé ma carrière comme professeur dans le secondaire, puis à l'université, ce qui existe dans le milieu des musées français, mais et pas, je dirais, la chose la plus commune. Donc je dirais que le fait d'avoir été choisi, et d'avoir été choisi aussi parce que je portais cette question de l'éducation au centre du musée, montre déjà sans doute une évolution, en tout cas du point de vue des autorités politiques françaises. Parce qu'en effet, le rôle d'éducation donc des musées en France et du musée du Louvre n'était pas si évident que cela. C'est maintenant une évidence et même sans doute notre mission principale. Dans le décret de création du musée, il y a cette mission d'éducation. Depuis quand ? Depuis 1793, depuis l'ouverture. Mais à l'origine, ce musée a été créé pour l'éducation des artistes. On ne parle d'abord de la formation et de l'éducation des artistes, des jeunes artistes et des artistes, puisque quand le musée ouvre en 1793, il n'est ouvert que un jour par décade, puisque dans le calendrier révolutionnaire, c'était des périodes de 10 jours. Il n'est ouvert au public que un jour par décade, donc par période de 10 jours. Et le reste du temps, il est ouvert pour la formation et l'éducation des artistes. Et ce n'est finalement qu'au XXe siècle que l'ouverture et l'éducation du public, et notamment du public d'enfants, de jeunes, est à l'ordre du jour. Alors c'est maintenant vraiment une priorité absolue. Et donc pourquoi ? Je pense qu'un des projets que j'ai pu développer, c'est celui de la petite galerie que je vous invite à découvrir. C'est un projet assez simple, inspiré de choses qui se font déjà ou ce qu'ils faisaient ailleurs. C'est la première fois que nous créons un centre dédié à l'éducation. Donc dans le vocabulaire anglo-saxon, et donc c'est un espace qui se trouve dans l'aile Richelieu. Ça, c'est à peu près 250 mètres carrés. Ça, c'est vraiment votre projet que vous avez initié, oui, quand vous êtes arrivé. Donc on a que j'ai proposé, oui, pour faire vraiment rendre visible l'éducation. Ça ne veut pas dire qu'on ne faisait pas. Oui. On a des relations avec, bien entendu, le monde scolaire, notamment d'Île-de-France, mais de toute la France et bien entendu du monde entier, avec notamment des conventions avec l'éducation nationale publique française. Mais là, il y a un lieu, un espace où pour des expositions longues, donc des présentations longues de 10 mois pour permettre justement aux professeurs mais aussi au relais du champ social de s'approprier les collections du musée et avec la volonté de les rendre autonomes. Je pense que c'est les deux éléments, avoir un centre d'éducation visible et rendre autonomes donc les relais de l'éducation qui viennent
donc au musée, en les formant. Alors, la collection du Louvre, c'est une collection universelle. C'est une collection aussi avec de la mythologie, des sujets de la Renaissance. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, alors que l'éducation est en déclin partout, pour parler justement de mythologie? Alors, vous dites justement la petite galerie est un essai pour tenter cette formation. Mais comment on fait aujourd'hui, alors que l'éducation est, je ne vais pas dire en berne, mais que c'est de plus en plus difficile, pour parler de sujets comme la mythologie, pour parler de la peinture hollandaise? Est-ce que c'est vraiment une grosse difficulté pour vous au Louvre, un gros challenge? Alors, c'est un challenge, ça c'est certain. Ce n'est pas une difficulté. Je pense vraiment, je voudrais qu'on inverse la perspective, c'est plutôt une chance. C'est-à-dire que les musées ont été faits, je le répète, et notamment le musée du Louvre, pour les artistes, c'est-à-dire avec, vous voyez, une approche qui est une approche esthétique. Ensuite, ils ont été faits essentiellement pour un public d'amateurs, donc avec une certaine culture, par exemple en Europe et en France particulièrement, destinée aux gens qui avaient cette culture classique de la littérature antique, par exemple, ou notamment la culture religieuse. C'est plutôt une chance, aujourd'hui, que notre public, qui est composé à 70% d'étrangers, avec beaucoup de gens qui viennent des États-Unis, mais beaucoup de gens qui viennent de Chine, donc de Corée, donc des gens qui n'ont pas cette culture-là. Et notre public même français, il n'a plus cette culture-là. Alors moi, je ne dirais pas que l'éducation est en crise, ne serait-ce que parce que par mes enfants, je vois bien qu'on leur apprend beaucoup, beaucoup d'autres choses, mais qu'ils n'ont plus cette culture classique. Donc, je le dis par rapport à ma spécialité, qui est le monde grec et romain, c'est plutôt une chance, parce que finalement, on va balayer toutes les vieilles lunes. Pardon de parler si familièrement, mais vous voyez, toute cette culture qui paraît trop érudite, il s'agit au contraire de la redonner avec un œil nouveau. Et c'est plutôt un défi très important, y compris, bien entendu, et d'abord pour les spécialistes. D'accord. Comment on donne envie? Pourquoi l'art grec, par exemple, ou l'art hollandais peut aujourd'hui encore intéresser du public? Et comment vous allez parler de l'art hollandais à Abu Dhabi, par exemple? Parce que là, ça va être Est-ce que vous parlez de la même chose à Lens, non, à Abu Dhabi et à Paris? Est-ce que non, c'est le même musée? Est-ce que c'est la Alors, même mission sociale? Je pense que pour tous les gens qui sont ici, ils le savent, et notamment pour mes collègues qui sont dans la salle. Bien entendu, la première chose, c'est de connaître son public. D'où toutes les enquêtes de public, et de s'adresser à un public. On ne s'adresse pas à un public d'amateurs comme à un public éloigné de la même manière. Donc, ça signifie en effet qu'à Paris, nous devons prendre acte de ces 70% d'étrangers, d'où le fait que nous avons entrepris des traductions, des cartels, des explications en anglais, en espagnol, et vous allez voir même une première signalétique directionnelle en chinois. Et à Lens, nous sommes dans un territoire particulier, c'est à 200 km au nord de Paris, dans une zone désindustrialisée, de crise économique, et il s'agit là d'un projet, je dirais, politique français, d'apporter les collections nationales et les collections du Louvre à un public qu'on peut qualifier de défavorisé. Le pari, il est en train d'être gagné. Il y a 60% des gens qui, dans ce musée, ne fréquentaient pas des musées et viennent de la région du bassin minier. Alors, comment nous présentons les choses? Essentiellement, je vous invite à y aller, c'est très facile, vous pouvez faire l'aller-retour dans la journée, c'est un magnifique musée, en cassant, notamment dans la présentation, ce qu'il peut y avoir de barrière entre l'œuvre et le public, avec des œuvres présentées très près des visiteurs. Les gens nous disent, voilà, on a l'impression que... C'est la galerie du temps. C'est la galerie du temps, vous nous les avez offertes, et c'est ça. Alors après, avec tous les aspects pédagogiques. Donc à Lens, un projet vraiment qui est d'apporter les collections nationales, puisque ce sont des collections nationales, à un public défavorisé, à une région particulière qui est très riche en musées. À Abu Dhabi, le projet, il est complètement différent. D'abord parce que, je vous le rappelle, c'est un projet émirien. Ce sont les Émirats Arabes Unis qui ont demandé à la France et au musée du Louvre de les aider à créer. C'est pas du tout la même chose. Vous voyez, c'est pas descendant, c'est pas le savoir-faire français qui arrive aux Émirats. Au contraire. Alors justement, comment vous allez construire le dialogue entre l'Est et l'Ouest, le Sud et le Nord à Abu Dhabi? D'abord, c'est pas nous qui allons le construire, ce sont les Émiriens. Donc notre rôle est un rôle de préconisation, de conseil, c'est un projet émirien dans lequel, en effet, et c'est eux qui ont écrit la feuille de route. Et la feuille de route, elle est la suivante. Ils veulent, les Émirats Arabes Unis, et donc le Louvre à Abu Dhabi, être un pont, notamment entre l'Asie, l'Afrique, l'Europe et les États-Unis. Ils veulent être ce pont-là. Le Moyen-Orient comme pivot des relations internationales et de l'échange des cultures. Et donc, par exemple, cette collection d'Abu Dhabi, c'est une collection qui va de la préhistoire à l'art contemporain, dans lequel il y aura à peu près 300 prêts des musées français, mais dans lequel il y a déjà 600 œuvres des collections d'Abu Dhabi. Pendant combien de temps?
Et donc, pendant 10 ans, il va y avoir 300 prêts des collections françaises, et avec l'idée de montrer notamment des œuvres chinoises, des œuvres indiennes, des œuvres africaines contemporaines. Hein, donc, voilà. Donc, c'est en effet un musée qui, pour l'instant, n'existe pas. Puisque, à proprement parler, vous savez, la plupart des musées prétendent plus ou moins être universels, ils le sont plus ou moins. Là, il s'agit vraiment, pour la première fois, d'un projet ambitieux de musée global, les Émirats voulant être ce pont entre l'Asie, l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Donc voilà, vraiment avec la volonté d'écrire une histoire globale du monde et des techniques. Le projet, il est très simple, je vous l'explique parce que je pense que c'est très important de souligner cet aspect. Aujourd'hui, au XXIe siècle, l'humanité partage une forme de culture commune. D'où vient cela ? Comment se fait-il qu'au XXIe siècle, on a pu partager ? Alors, ça s'explique par des techniques, le cinéma, la vidéo, Internet, et si on remonte dans le temps, donc la photographie, le livre imprimé, les stampes, la monnaie, vous voyez, je remonte le temps. Et ben, dans ce musée, pour la première fois, on va raconter cette histoire des révolutions techniques. C'est finalement un musée qui veut expliquer comment on est arrivé à cette culture commune au XXIe siècle. Dans une interview à France Culture, je pense que c'était au moment de votre arrivée au Louvre, vous avez dit « la rencontre avec une œuvre d'art peut changer la vie ». Alors, je sais, parce que je vais écouter cette émission, c'était passionnant, que vous avez eu une... Enfin, c'est une histoire d'amour que vous avez avec le Louvre, qui a commencé quand vous étiez en 6e, où vous êtes arrivé et vous avez eu cette révélation... Emmenée par un professeur, donc voilà. Emmenée par... Oui. L'importance des éducateurs. Et vous avez cette révélation quand vous étiez au Louvre. Alors, ma question, c'est justement, est-ce que vous avez cette sensibilité à la peinture et à l'art ? Est-ce qu'on peut tous l'avoir ? Comment on peut communiquer cet amour de l'art ? Et l'autre question, est-ce que le Louvre est destiné à être un musée justement pour tous ses publics ou pas ? Alors ça, c'est notre conviction, je pense la conviction de la plupart des professionnels. Les gens qui travaillent dans les musées, eux-mêmes, leur vie a été transformée par cette fréquentation des œuvres d'art. Bon, alors le problème, c'est, je dis deux choses qui peuvent paraître paradoxales. Je pense que les œuvres d'art sont faites pour tous. Donc, et c'est le slogan du musée du Louvre en 1793, un musée pour tous. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est aussi, on a tous l'expérience que des gens sont éloignés. Et que les œuvres d'art ne leur parlent pas. On l'a vu à Lens par des enquêtes d'opinion. Je vous donne juste ce détail anecdotique. On avait choisi des œuvres qui paraissaient être des chefs-d'œuvre du musée du Louvre. Et on a fait une enquête avec des focus group. Et on a été très étonné de la réaction. Des choses qui nous paraissaient être des chefs-d'œuvre étaient considérées comme des œuvres pas importantes. Voilà. Donc cette échelle des valeurs. Donc ça veut dire qu'il faut éduquer au regard. On apprend à regarder. C'est faux de croire que les œuvres parlent pour elles-mêmes, qu'elles parlent à toutes les sensibilités, ça c'est faux. Je vous dis, donc vous voyez une chose paradoxale, les œuvres peuvent être pour tous. Pour autant, il faut apprendre à regarder une œuvre. On apprend, vous savez, en allant au cinéma, en regardant la télévision, progressivement on apprend à regarder un film et à avoir des clés de compréhension. Donc ben, c'est pareil pour les œuvres d'art. Et donc nous sommes intimement convaincus que le musée doit faire le premier pas. Donc, quand vous voulez inviter une fille à sortir, c'est vous qui faites le premier pas. Bon, ben là, on doit inviter. On est dans le rapport de la séduction. Maintenant, c'est le contraire. Comment ? Ou le contraire. Hein, moi, j'ai aucun sexisme de ma part. Donc, je parle en fonction de mon sexe. Donc, on doit faire le premier pas, d'où toute l'action aussi hors les murs, qui est très importante. Mais en même temps, après, on doit trouver des espaces où on dit aux gens, regardez, on peut vous apprendre à regarder une œuvre d'art, parce que ça s'apprend, enfin, la première fois que... Il faut déjà avoir envie. Il faut avoir envie. Mais les gens ont envie du beau, hein. Je vous assure, hein, les expériences qu'on fait en banlieue, par exemple, dans lesquelles il n'y a aucun immeuble ou aucune œuvre d'art, donc, où tout date des années 1980-90, les gens ont envie du beau. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'émotions, on a parlé aussi comment on devait être amusant dans un musée, comment on devait inspirer par des actions vraiment émotionnelles et des expériences. Comment est-ce qu'on peut faire ça au Louvre ? Ben, la chance du Louvre, hein, et vous le redécouvrirez peut-être dans quelques minutes, c'est d'abord et aussi le palais. C'est-à-dire que la chance de ce musée, c'est qu'il n'est pas un musée, c'est qu'il n'a pas été conçu comme un musée. D'ailleurs, on dit le Louvre, on dit rarement le musée du Louvre et encore moins le musée national du Louvre. Bon. C'est-à-dire que cet aspect d'émerveillement, ici on peut déambuler, ici on peut se promener, on peut perdre son temps, on peut flâner, parce que, voilà, on ne dit pas dans ce musée,
Pour accéder aux œuvres, il faut connaître tout ça. Et voilà. Bon, donc ça, c'est la chance du musée du Louvre, comme c'est la chance de certains lieux comme ça emblématiques de l'histoire de l'humanité. Après, donc il y a beaucoup de gens qui sont méprisants avec ça, qui disent bah oui, mais ces gens qui déambulent, ils comprennent rien. Si, d'abord, s'il y a 0,1% qui est atteint, c'est déjà pas mal. Hein, donc voilà. Bon. Et ensuite, moi, au contraire, je pense que le contact avec le beau, ça se cultive, voilà. Et donc, Je vais vous raconter une anecdote. Vous savez, à Brisbane, en Australie, quand un garçon, pour reprendre le sujet, veut inviter une fille à sortir, il l'invite au Goma, au musée, pour justement parce que le cadre est accueillant et que c'est inspirant. Ouais. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de mauvaise raison de venir au Louvre ou dans un musée. Il y a toutes les excuses, tous les prétextes sont bons. Et donc, il faut s'emparer de tous les moyens pour faire venir les gens. Donc, bon, c'est le même enjeu pour la lecture. Voilà. Donc, quand vous avez expérimenté que lire un livre, c'est-à-dire comprendre qu'un autre être humain est capable de formuler ce que vous pensez, vous, mais que vous n'arriviez pas à formuler, quand vous avez fait cette expérience, je dirais presque essentielle, et ben alors vous lisez. Voilà, c'est pas intellectuel de lire, hein. C'est partager une expérience avec quelqu'un. Voilà. Merci. Et là, c'est ça dans un musée. C'est partager une expérience avec un créateur, avec d'autres aussi, parce que c'est un lieu où on rencontre les autres. Alors justement, en parlant d'expérience, quelle est l'expérience que vous avez préférée dans quel musée au monde? Quel est votre musée idéal sur l'éducation? Ben, je pense que chaque pays et chaque culture a un background différent, quoi. Donc, je veux dire, on peut pas tout comparer. Moi, j'ai entendu dire que c'était le musée des Beaux-Arts de Montréal que vous aimiez beaucoup. Je vais pas faire du. Voilà. Il est évident que pour les Français, les musées canadiens, celui de Montréal ou voilà, donc les musées aussi de civilisation. Ont été un modèle, parce que les musées canadiens sont à la fois très proches culturellement des musées français et en même temps avec une approche d'éducation et sociétale, pour utiliser un mot, qui est beaucoup plus loin que ce qu'on fait en France. Et donc ça, nous regardons en France ça avec intérêt. Donc en tout cas, moi, plusieurs de mes collègues. Le musée idéal, je pense qu'il n'y a pas de musée avec sans défaut, quoi. Donc voilà. Le musée idéal, c'est un musée dans lequel on a placé le visiteur donc, au centre de ses préoccupations, où on a ce sens-là donc, de l'invitation, où on s'est mis à sa place. C'est-à-dire que moi, je dis souvent à mes équipes, chaussez les lunettes du visiteur, mettez-vous à sa place. Il arrive du Brésil, c'est une fois dans sa vie qu'il va être dans nos murs. Et quand il va vous rencontrer, vous êtes sans doute le Louvre. Pour lui, vous êtes le Louvre pendant 2 minutes. Voilà. D'accord. Et ça, ça engage. Donc là, on est entre nous, ça ne sortira pas de la salle. Donc votre musée idéal, c'est qui? C'est le musée du Louvre. En tout cas, je cherche à le rendre idéal. Alors, la dernière question que je voudrais vous poser, c'est justement, aujourd'hui, nous sommes 30 nationalités, il y a 320 professionnels de musées qui viennent du monde entier, il y a des grands musées, il y a des petits musées. Quels sont vos 3 enseignements clés avec lesquels vous nous conseillez de partir aujourd'hui? D'abord, peut-être de dire qu'il ne faut pas tout confondre. Je viens d'insister sur l'importance de l'éducation, etc., au musée. Mais un musée, c'est un musée. C'est-à-dire, nous ne sommes pas l'école, donc il ne faut pas se tromper de mission. Donc, je dirais simplement que la première chose, c'est que, vous savez, il y a un proverbe très sexiste en français, c'est que la plus belle, mais j'ose quand même, donc la plus belle femme du monde, elle ne peut vendre que ce qu'elle est. Bon, ben, un musée, c'est d'abord des œuvres et des lieux, et un lieu de rencontre. Donc, je veux dire, je conseillerais simplement, j'essaie de le faire pour moi-même déjà, donc de mettre en valeur la collection, le palais et la rencontre avec le public. De manière iconique. Oui, oui. Donc, voilà. Après, la deuxième chose, c'est de ne pas avoir honte de tous les sens du musée, c'est-à-dire au contraire de favoriser toutes les formes de rencontres. Se promener au musée, venir déambuler, perdre son temps, voilà. Ce n'est pas obligatoirement, vous voyez, si on dit aux gens, comme on fait dans un livre, pour accéder à ce saint des saints, vous devez avoir cette éducation-là. Alors, bien entendu, on ne met que des barrières. Donc, ne pas avoir honte, mais au contraire, favoriser donc, le fait de se divertir, de se promener. Donc, voilà, ça. De s'amuser. Oui, je dirais simplement, oui, parce que s'amuser, il y a encore une injonction voilà, il faut sortir en s'étant amusé. Ben non, peut-être qu'on ne s'amuse pas dans un musée, mais peut-être qu'on se promène, peut-être qu'on se rencontre. Et la troisième chose, c'est favoriser, dès que possible, donc dès l'enfance, la visite du musée. Bien entendu, on fonde
Quiconque n'est pas allé au musée enfant, moi c'était mon cas, dans ma famille on ne m'amenait pas au musée, pour autant, vous voyez, donc quand même, bon, ça peut provoquer, à l'inverse, l'envie de rentrer dans ce monde-là. Mais je pense que comme pour la lecture, comme pour beaucoup d'aspects de l'éducation, donc favoriser, et notamment ne pas hésiter à favoriser la venue des tout-petits. Des 2 ans, des 3 ans, ce qui est très très difficile à faire, hein, donc voilà, après, bon, voilà. Mais favoriser cela, parce qu'avec les enfants, c'est les parents qu'on voilà. Si vous arrivez à créer ce lien, que des enfants ont quelque chose à dire à leurs parents sur le musée, alors vous avez gagné seulement, non seulement les enfants, mais aussi les parents. Alors là, voilà. Vous faites du marketing ? Ben oui, ça s'appelle comme ça. Parfait. Jean-Luc Martinez, merci beaucoup. Non, merci à vous. Je pense qu'on peut remercier de nous avoir donné du temps pour nous expliquer et aussi de nous accueillir ici.